Hi guys, comment nous y est? Je dis à nous sur Chanel Mathilda Leone pour un nouveau vidéo. Vidéo aujourd'hui, on va parler de quatre plats qui bizarres en Corée. Il y a un pile plats qui bizarres en Corée du Sud. Mais on va parler de seulement quatre là dans yo parce que si on commence à parler de plats qui bizarres, moi pas fini et me pas aimer faire vidéo mieux trop longue. On va parler de seulement quatre là dans yo pour n'importe monde qui t'a ban nous pour t'a dit non, on va parler. Nous avons parlé, oui. Je vais vous montrer nos photos. Je vais mettre des photos pour nous parler de nous. Je vais vous dire qui ça a fait et qui j'ai mangé. Mais nous avons mangé nous-mêmes. Parce que, bon, je vais faire pour nous-mêmes. Nous avons dit non. Mais sinon, nous avons mangé. Nous avons mangé. Nous avons mangé. Mais moi, je vais manger. On va entrer en plus de détails. Je vais dire merci. Merci à tout le monde qui est abonné avec Chanel là. Et ça qui va faire, nous allons faire Kounia. Et Kounia là même, nous ne pouvons pas regretter. Et je garantis nous ça, guys. Nous ne pouvons pas regretter. Je vais nous avec un droit. Et puis, je vais tourner back. De quatre plats qui bizarres en Corée du Sud. Il y a un peu de plats qui bizarres, mais on parle de quatre là de haut, les bas nous disent pas besoin. Mais si nous voulons manger, nous voulons manger, même pas manger, même. Là, il y a Bondogi. Il écrit Bondogi, mais on prononce en coréen Bondogi. C'est un plat qui fait avec verre. Les verres en fin de fête, c'est les verres en fin de fête liés. Les verres en cet hiver, oui. Guys, des fontiers ou dans partie ça vers ça ou pas vivant, yo tant kou bay ki grillé. Yo m'a mette photo en pour yo tant kou bay ki grillé, yo pas vivant. Non, c'est ti ver ki piti ou e, et puis ti ver ki piti me fait plonas. C'est ti ver que ou e, lè a manger, yo mette l'an godé et puis yo prend tant kou ti baguette en bois. Tant kou ki yo dan, yo mette même j'en ap manje l'an bi nou même, nou pren le mette nan cups et puis nou mette yon ti ki yo dan et puis nap manje l. Et même nan goblet et puis yo servi le chaud, tout chaud yo mette nan goblet et puis yo pren ki yo dan, yo pike l et puis yo manje l. Ni pike l, yo manje l. Un plat qui très populaire en Corée du Sud, tout koto passe au joigni, surtout nan men machan kap marche yo, machan tout koto ap passe, kap marche, donc wap joigni yo nan men yo et puis yo servi le tout. Dans le restaurant avant que vous mangez ou servir dans le restaurant. Deuxième plat, donc, n'a pas photo à tiver. Deuxième plat, il est Kebul. Il écrit G-A-E-B-U-L. Je vais mettre le jambes, je vais mettre le nom pour nous. Il écrit G-A-E-B-U-L, mais il prononce Kebul. Lui-même, il est différent de Bondogi parce que verre est gros. C'est le gros verre qui mesure 30 cm de long. C'est gros verre qui est long et puis couleur gris. Il est tout vivant. Il couleur gris, il est tout vivant. C'est cette différence qui est avec Bondogi. C'est verre qui est tout, mais même il est plus long et puis il mange tout vivant. Ça a mal parce que nous connaissons les goulis longs. L'autre aliment était petit. Ça a même découpé le vivant. On imagine nous que quand on va ou quand manger faire ou et puis on découpe le vivant devant. On découpe le vivant et puis on mette assaisonnement, on mette petit piment, on mette on l'huile les huile sésame que remet ici, on mette pour nous avec graines sésame là, on mange comme ça. Li même contrairement avec Bondogi, on serve le frais, on mette le pas mettre le comme si saute dans frigidaire et puis tout servir et puis on juste découpe seulement. Yo juste découpé, yo servi tout frais, li pas servi chaud li même et puis yo mette yo mange la avec piment et puis l'huile sésame et puis sel. Yo mange l'huile sésame et pour nos photos pour nos carwel. Tout vivant, et tu TV à cap. Nous est TV à cap viré, Noël cap viré. Et puis troisième plat que me gars parler nous de lien, li rele Sanagi. Li écrit S A N trait d'union N-A-K-J-I, je crois. M'kwè ça. Kon sa l'écrit, mais li prononce Sanagi. C'est lui-même de parler dans la première vidéo, kote m'de dit nou kon sa ke yo manje
pieuvre dans tout vivant, c'est même lui même là. C'est lui, c'est plat ça, c'est plat pieuvre là qui tout vivant, c'est plat ça au Sanakti. Yo mange li, li men li dangereux parce que li capable coquer dans gorge, depuis coquer dans gorge la tout fait parce qu'on est pied la pied bat, la tout fait au coquer dans gorge. Mais on mange en pilisi en tout, c'est lui même d'a pas de lien li ça. Je servir tout cri tout cri, je servir tout cri, on mettait assaisonnement, on mettait piment, on mettait l'huile de sésame avec grain de sésame là-dedans. Quatrième et dernier plat que je vais parler de lien, c'est sonde. Sonde. Il est sonde, S-U-N-D-A-E. Lié, mais nous prononcer comme sonde. T'as toujours prononcé comme ça. En sorte de saucisse coréenne, en dans le fond mélange, je mettais en dans. Je mettais en dans le fond mélange de viande cochon, mélange avec viande bœuf. Et puis, je mettais là-dedans, je mettais nouilles là-dedans, nouilles nudos. Et puis, je mettais du riz. Je mettais du riz, je mettais des œufs, je mettais légumes, je mélangeais et puis je fouillais là-dedans. Parti dans cochon avec bœuf là, c'est intestin cochon avec bœuf là, je mélangeais avec du riz, je mélangeais avec nous, je mélangeais avec légumes et puis je fouillais là-dedans saucisse là. Bah imaginez quoi. Bah imaginez quoi. Et bien, c'était le dernier plat que je vais parler de lui parce que je ne vais pas faire la vidéo trop longue. Je dis merci à tout le monde qui est abonné avec la chaîne. Et ça qui vous faire fait. Nous mettons à faire kounia et kounia la même, nous pas pour regret. Et garantissons ça, guys, nous pas pour regret. N'a pas bientôt dans l'autre vidéo.